Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vais faire une vidéo skate. Donc du coup, là on est chez moi, je pense que vous avez reconnu aussi l'endroit. Il y a le coq qui chante derrière, donc c'est cool, il est content. Et du coup, dans cette vidéo, je pense que ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo skate. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo skate, ça fait longtemps, j'ai envie de refaire du skate. Voilà les skateurs, je vous oublie pas, vous inquiétez pas. Je sais qu'en ce moment, je me suis concentré un peu plus sur la trotte. Voilà, comme j'ai sorti en fait les cours de trotte en ligne, voilà, ça me prend du temps, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, donc déjà merci à tous de vous inscrire tout le temps, de commander sur le site, de tout ça. Franchement, ça me fait trop plaisir, vous êtes vraiment des ouf. Je pensais pas que ça allait plaire autant, donc voilà, je suis super content. Là, en ce moment, je suis un peu occupé entre mes cours à moi, donc à l'université, entre les cours de trotte que je fais, que je m'occupe, voilà, je m'occupe des membres tous les jours. Voilà, ça me prend un peu de temps, je suis un peu occupé, donc c'est pour ça sur YouTube je suis un peu moins actif, j'essaye de l'être un maximum, mais voilà, ça me prend beaucoup de temps, surtout que là on est en confinement, en plus il fait pas trop beau, il fait froid, donc voilà, j'ai un peu la flemme d'aller rouler des fois, je vous le cache pas, mais voilà, j'essaye de faire des vidéos le plus souvent possible. Donc là du coup c'est pour ça, là on est chez moi, je vais en profiter du coup pour faire du skate, je vais recommencer un peu de rail et je vais aussi me remettre aux tricks en flat. Je vais essayer de remettre un peu les flips. Enfin le flip, l'autre fois j'ai essayé un peu il flip et franchement il tournait bien, donc je vais peut-être essayer là, on va voir. Je pense pas que je vais le mettre aujourd'hui, mais voilà, on va voir ça. Donc c'est parti les gars, je me filme et voilà, je vais commencer par les tricks de base en flat et puis après on verra. Voilà les gars, bon là le flip là tout à l'heure, là je galère un peu. Je vais arrêter 5 minutes, enfin je vais passer à autre chose, puis après je referai peut-être ça tout à l'heure. Là je vais essayer vite fait le heel flip, donc je sais j'arrive pas au flip, mais je vais essayer le heel flip quand même. Donc bah voilà, c'est parti hein. Voilà les gars, comme vous l'avez vu, j'arrive pas. Donc voilà, je sais pas pourquoi, la dernière fois j'avais testé, ça tournait plutôt bien. Et là j'arrive pas à le faire tourner, donc voilà, si vous avez des conseils en commentaire, bah n'hésitez pas. Donc là je vais mettre le rail et puis je vais commencer à faire board et front board. Je les avais déjà mis en vidéo, enfin board je l'avais déjà mis et front board c'était sketchy un peu. Mais voilà, je vais essayer de refaire ça propre parce que après j'ai des idées de tricks à faire, enfin surtout un trick. Et du coup bah je vous dirai ça après, donc là voilà, je vais me chauffer en rail vite fait et puis après c'est parti. Je passe au front de bord là.
Bon les gars, ça y est, je suis grave content là pour le board et front board, surtout le front board parce que je l'avais la dernière fois, je l'avais mis assez sketchy et là franchement, je pense que ça va le front board. Après c'est un petit rail donc j'ai pas besoin de beaucoup de sauter. Donc franchement là je suis super content. Donc là ça y est, je vais essayer mon nouveau tricks que je voulais essayer. Je sais pas du tout si c'est possible. Je pense, enfin, en fait j'ai déjà vu ça, mais là comme c'est un petit rail bas, je sais pas du tout si je vais y arriver. Donc du coup le trick en gros c'était d'arriver soit en board, soit en front board, mais là je pense que je vais arriver en board. Du coup, scaler en board. Comme ça. Et en gros, à la fin du rail, faire une sorte de front show vite et repartir comme ça, les pieds comme ça. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, en gros, faire ça, hop, et repartir comme ça. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est possible. J'ai déjà vu ça, il y en a qui le font. Après, là, comme c'est un petit rail, je sais pas. Donc je vais essayer ça. Je pense que du coup, c'est board front show vite out. Et je pense que c'est ça, je sais pas comment ça s'appelle. Sinon, dites-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Bah voilà les gars, donc du coup j'ai arrêté le rail. Voilà, ça faisait plusieurs essais que j'y arrivais pas, donc ça sert à rien d'insister. Ça commence à me saouler, donc bref, par contre, du coup je l'ai mis à un pied et le deuxième pied il y a un essai où il était vraiment pas loin. Donc je pense que je réessayerai un autre jour et parce que franchement c'est un truc stylé. Après je pense que j'y arrivais pas parce que c'est un rail qui est trop bas. Mon gros rail orange, je crois qu'il est un peu haut encore pour le skate. Donc soit je vais rehausser un peu le petit, soit je sais pas, je vais essayer de trouver un autre rail un peu plus grand que le petit pour essayer Strix et pour me familiariser un peu avec le board parce que je suis pas encore hyper à l'aise. Voilà, du coup c'était une petite vidéo skate. Ça faisait super longtemps, je crois que la dernière vidéo skate elle datait du mois de septembre ou octobre maxi. Du coup là les gars on est début décembre, normalement fin décembre pour Noël, je vous réserve une petite surprise. Il y a eu un indice. Dans ma story sur Insta, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Likez, s'il vous plaît, c'est super important pour soutenir la chaîne. Commentez, abonnez-vous, et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo.